Et je me sens observé par un type qui est au milieu, tu vois. Je lui dis, tu me regardes, toi ? Baisse les yeux, tu vois. Oh, putain. Et d'ailleurs, j'avais une petite question, mais quel est notre rapport de notre famille avec Andra ? De bon rapport. C'était de bon une rapport. De tes meilleures amies. Oui. Ok, c'est ok. Ta meilleure amie. C'était ta c'est meilleure ma amie. Meilleure amie. Ta meilleure mais amie. Oui, okay. Emile, elle. J'amène un CD de Laurie alors. Elle a. J'ai la ref. Moi aussi, j'étais né avant le confinement. Et elle a mis au monde ton fils. Elle était là pour mettre au monde ton fils, Emile. Ah, ok, ça a été la sage-femme pendant l'accouchement. Ouais. Sacré des liens. Ah, oui, tout à fait. Donc, complètement là. Et c'est ta meilleure amie, c'est celle qui a apporté du soin et aussi de la science. Elle a toujours été là pour vous. Donc, tu es toi-même, tu te sens à la fois trahi, mais tu as quand même. T'as vécu toute ta vie avec elle, avant qu'elle ait disparu avec ses filles et ses petites filles dans les montagnes. Ok. Faudrait qu'on récupère cette technologie pour asseoir notre pouvoir. Alors, c'est pas tout à fait. Je suis arrivé à un stade, même si je peux partir juste à Utrecht, ça ira. Sans que Mathieu, il a joué à Doom quand même. Sans avec une armée de loups-garous, c'est toute la Roumanie qui nous obéira, tu vois. Et le monde. Et vous faites route vers le sommet des montagnes. Il y a cette sensation qu'il y a quelque chose de pourri là-dessous. Il y a, anguille sous roche, comme on dit, il y a quelque chose qui vous échappe encore, ne serait-ce par le fait que vous vous connaissez avec Andra. Emile, toi, est-ce que tu es redescendu en pression un peu ? Oui, c'est maintenant que je pense qu'on a, de toute façon, on a voyagé un petit moment, donc okay. Je pense que oui. Vous récupérez un trauma lors de votre parcours en direction donc, de l'endroit qui était indiqué par Victor, Feu Victor. Vous êtes donc... Ok. En chemin. Moi j'enlève Maudite, mais observez, il est vraiment trop drôle. Si je dois dire à des gens de baisser les yeux, moi ça me va. Vous vous retrouvez donc dans une gorge avec des corbeaux loin au-dessus qui volent et une sorte d'ambiance lugubre qui est tout autour de vous. La neige tombe partout autour, une sorte de silence qui tranche avec ce que vous avez vécu juste plus tôt. Vous êtes ensemble. C'est le moment d'avoir une petite discussion de famille, non ? Bah, c'est le moment de marcher, surtout on a du boulot, on a du chemin. Bon, ok. Moi, juste une question, c'est on vient du haut ou on vient du bas de la carte ? On vient du bas. D'accord. Bah, on marche, hein, on avance, je pense. Ouais, on peut discuter en même temps, il n'y a pas de problème. Ah, je suis vieille un peu quand même. Oui, un peu, oui. Faites-moi, s'il vous plaît, un test. Intuition. Intuition. Il y a des trucs pas très jojo. 96. Donc tu vas absolument, c'est le moment de parler, donc je te laisse parler de tout, sauf de ce qui vous concerne. 61, moi c'est foiré. Ah bah ça je sais faire, ça casse. Donc parler de tout sauf qui nous concerne. Donc c'est de... sinon, ça va ton petit chien? J'ai jamais eu de chien, de quoi tu parles? Ouais, bah écoute. Quelle intuition. Bah, c'est le moment d'en avoir, hein. Pourquoi Bruxelles ? Je sais pas, écoute, moi l'Europe franchement ça a l'air bien et en fait une chanson de Benabar qui parle de Bruxelles, du coup ça a l'air cool. D'accord. Pourquoi tu as bizarrement rétréci depuis la carte d'avant ? Écoute, je ne sais pas. Tu es devenu minuscule ? Je sais pas. Vous avancez, vous arrêtez. J'ai envie de marcher en crabe comme ça, tu vois, pour arrêtez-vous, pas... Arrêtez-vous. Ok. Voilà. Arrêtez-vous. Qui a réussi ? Ah moi j'ai réussi, j'ai fait 40. Donc, tu vois tout autour. Oh, oui, c'est, on le voit bien, ouais. Ouais. Tu vois qu'il y a un morceau de cadavre. Tu vois tout autour une scène absolument horrible alors que tu entends tes deux enfants. La famille Ligonnès. Tu entends tes deux enfants discuter de Bruxelles, discuter de voyage, discuter d'autres choses et autour, des cadavres. Des cadavres par dizaines. Des corps préparés, des corps enveloppés, des cercueils. Plus que ça, il y a également des loups qui semblent garder ces corps. Ah.
Les enfants, vous parlez de vos prochaines vacances à Bruxelles un peu plus tard, mais regardez sur notre gauche et notre droite, on a une espèce de parc d'attractions pour loups qui... J'imagine que c'est des fossoyeurs, des taxidermistes, et ils ont une sacrée passion. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ? Il y a... Pourquoi ? Ça te suffit pas ce qu'on voit là ? C'est bien déjà ! Toujours plus. Quoi d'autre ? Allez ! C'est vu et revu ça ! Les loups... des momies, des cercueils, des loups, c'est bon quoi. Les loups vous regardent intensément. Ok. Et ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Ils ont pas l'air agressifs. S'ils bougent pas, on va leur laisser les cadavres. Hein. Vous regardez et il y a cette sensation que vous arrivez dans un autre territoire. Un territoire qui ne vous appartient plus et surtout un territoire qui sera peut-être votre tombeau. Peut-être pas. Non, mais écoute, moi je vais avancer doucement. Je vais envie de continuer à avancer doucement. Je suppose qu'on peut pas revenir en arrière et prendre la départementale 43 pour prendre un moment. Ce serait anticlimatique. Ouais, tu sais, moi je pars, je descends et puis je pars à Bruxelles, salut. Non, mais j'ai envie de continuer à avancer doucement, mais en restant sur la route. Et en restant sur nos gardes aussi. On va rester au centre, ouais. Coulos. Ok. Ouais, faites ça me va. Faites-moi s'il vous plaît un test d'agilité. Oh. Pour vous déplacer. Moi c'est foiré. 78 c'est foiré aussi. Moi je l'ai. Donc l'agilité, il y a juste la vioque qu'il a eu. C'est ça. D'accord. Prenez exemple les jeunes. Je fais un triple salto arrière, tranquillos. Parcours. Suivez-moi les petits. La vioque. Yeah, j'ai un nom quoi. Pas la vioque. Non. Moi aussi j'ai un nom. Olga Vioque. C'est vraiment amer. Olga Vioque Pop. Tu avances, Olga. Oui. Tu as fait quelques pas. Tu es concentré pour ne pas attirer l'attention des créatures à droite à gauche, des loups. Mmh. Et en fait, la seule chose qui attire ton attention en arrière, c'est parce qu'ils sont en train de s'engueuler, les deux. Ah. Ils sont en train de s'engueuler, frère et sœur. On n'a rien à foutre de Bruxelles, c'est très joli. Et au moment où ils s'engueulent, tu vois que ça commence à faire réagir les loups qui se... Ok, je vais leur dire de fermer leur bouche. Les enfants, chut. Vas-y, Emile, c'est de ta faute. Vas-y, une salade conne. On a plus le trauma. Oui, mais c'est quand même ta faute. Ah oui, c'est vrai. Je tiens à dire que quand même, je me sens observé par des loups, tu vois. Dis-leur de baisser les yeux. Je peux pas pousser, est-ce que je peux pas pousser Daria dans les loups? Les enfants qui jouent entre eux. Tu peux essayer si Daria, tu veux. Daria, est-ce que tu devrais pas aller voir... Ce sont des vrais loups. Essaye. Ah non, bah, je sais pas, peut-être qu'à Bruxelles ils en ont des comme ça, non? Elle va voir. Qu'est-ce que vous faites? Ok, et bah du coup je vais voir si ce sont des vrais loups. Ah. Non, ah bah, non. Si tu veux, pourquoi tu fais ça, Laisse le faire. Attends. Je crois qu'il veut finir le JDR un peu plus tôt, tu vois. il a un dîner ce soir. Donc qu'est-ce que vous faites? Olga, qu'est-ce que tu leur suggères? Qu'est-ce que tu leur... Je leur suggère de bouger très doucement. Et de garder le visuel, le eye contact avec les loups et de se sentir observé, tu vois. Parce que c'est comme ça qu'on s'en sortira. Et de bien les regarder dans les yeux et de pas trop essayer de leur tourner le dos. D'accord. Vous progressez, ça vous glace le sens que vous voyez. Il s'apprête à avancer. Ouais, moi, je veux quand même savoir ce qui se passe, quoi. Je veux dire, c'est tous ces cadavres, parce que c'est... Dans le village, il n'y a pas autant de gens qui ont disparu. Non. Non, non, il n'y a pas autant de gens. C'est pas le moment de faire ton doctorat, là, je pense. Vous prenez... Mais ça t'interpelle Emile pas, ce qui se et passe. Et Daria, vous prenez un trauma. Je pré-shot le trauma, vous allez le prendre chacun. Au moment où Olga vous engueule, la faute à Daria et la faute à Emile. Ok. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Bien sûr. Mais pourquoi on s'est pas fait blesser? Non, non, vous êtes pas blessé, mais vous avez le sang, ça vous glace le sang en fait. D'accord. Et on a foiré nos voilà, nos trucs. Hein. Enfin, c'est que vous avez un prix à payer, c'est la sanction de l'échec. Mm. Donc. Avec tes conneries, où on en est? Arrêtez. Je voulais pas.
Mais moi, voir les loups, ça m'intéresse si pas. Par si on avait voir... pris la nationale, plutôt que de faire chier dans des chemins de terre de merde. Voir la, les cadavres, là, je veux savoir qu'est-ce que c'est qui ces gens. Il y a un corbeau qui vous regarde. Est-ce que je dois avoir un peu de bouffe dans mon sac, non? Ouais. Est-ce que je peux en balancer un petit peu à l'écart? Genre, je sais pas, genre, mettons... attends, de quel côté est-ce qu'il y a le moins de loups? Ah ouais, à droite, il y a moins de loups. Est-ce que je peux jeter un peu de bouffe, genre, par là? Ouais, tout à fait. Histoire de voir si lui, il se déplace. J'aimerais bien m'approcher un peu de ce tas de cadavres-là. Non, il te regarde, toi. Il vous regarde, vous. Quand tu jettes le morceau de viande, tu vois qu'il renifle comme ça. Il renifle et juste après, il te regarde. Parce que toi, tu as l'air de bouger. T'as l'air d'être vivant. T'as l'air d'être plus intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme contre des loups à parcourir? Mais moi, je vous rappelle que j'ai 25 en rapidité. Non, mais puis c'est des loups. Ouais, c'est des loups. Ils vont, même si on avait 90, ils nous rattraperont, je pense. C'est des loups. Il vaut mieux essayer de les taper. Non, mais je veux dire, par rapport à les courser, il vaut mieux essayer de les taper. Moi je pense qu'il faut, qu'on avance, il faut qu'on continue à avancer. On peut se mettre en cercle. Faire pour que ça soit plus facile pour eux de manger. C'est... Mais non, les prédateurs en règle générale ils attaquent plutôt quand ils te voient de dos. Si on est en cercle. Non, ça c'est les vélociraptors, ça c'est pas. Tu confonds. C'est presque pareil. Leur vision est basée sur le mouvement, ne bougez plus. Ouais, c'est presque. Bah, c'est presque. Et on avance par petits pas en faisant un petit cercle, tu vois. Pip, 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 pip. D'accord. Donc, on aura juste l'air con, vraiment, c'est juste qu'on aura. Je sais pas, moi je. Oui, mais enfin, c'est des loups, on s'en fout. J'ai pas dit qu'on le fait, je propose l'idée, tu vois. Dans tous les cas, vous finissez en effet par progresser et sortir du champ de vision en menaçant de ces créatures, de ces loups, de ces prédateurs qui semblent ne pas s'intéresser à vous tant que vous n'êtes pas les déranger. Et donc, vous avancez, vous progressez et vous vous retrouvez donc au bout de ce chemin. Vous voyez, c'était juste des loups qui gardaient des cadavres, rien de spécial. Tranquille. Voilà. Mais attends, il y avait des cercueils, il y avait des momies. Ouais, bon. Je te signale que techniquement, on n'est pas loin du village, donc si tu veux être le maire, a priori, ça sert un peu ta juridiction. Hein. C'est pas une c'est écoute, chacun ses momies. C'est pas... Quelqu'un a parlé de moi. Vous vous retrouvez donc au bout du chemin. Après avoir échappé à probablement une mort certaine, vous vous retrouvez au bout du chemin lorsque vous voyez le haut, en fait, vous voyez la région. Vous avez une vue sur l'ensemble de la région. Ça vous glace le sang. Vous commencez à sentir la distance qui s'est installée entre vous et le village. Vous êtes isolé. C'est-à-dire que là, faire chemin, rebrousser chemin maintenant, à ce stade-là, ça va être un peu plus compliqué. La nuit commence tout juste à tomber, et vous arrivez au bout avec une vision de ces ruines, une vision de bâtiments que vous cherchiez. L'endroit qui a été pointé par Victor. Il y a un vent qui souffle ici. Et vous avez une vue sur l'ensemble. Il y a 1, 2, 3 bâtiments. Ça semble être restauré. Ça semble être restauré. Il y a... Ah oui, c'est ça. Il y a quelqu'un par là. Ici. Il y a un feu. Il y a quelqu'un qui semble être occupé. Quelqu'un qui semble être plutôt costaud. En capuche, avec une longue cape. Il y a du bois, il y a de quoi tenir un siège, j'ai envie de dire. Et il y a quelque chose qui tourne pas rond ici, c'est-à-dire que c'était d'anciennes ruines qui ont été restaurées. Qui pourrait vivre aussi éloigné? Qui pourrait vouloir une telle tranquillité? On a deux choix. Soit on fait les bourrins, on va parler à Joe le forgeron qui est là-bas, sachant qu'il peut être... vraiment vénère et nous attaquer, soit on peut faire le tour. Mais en mode sneaky, quoi. On pourrait juste aller lui poser une question avant d'essayer de l'attaquer, non? Faites-moi. Non, mais c'est peut-être lui qui va nous attaquer. Écoute, toi t'as l'air inoffensif, vas-y. On n'est pas obligé d'y aller tous les trois. Hein. Bouclier humain, allez. Non, mais je veux dire, il va pas oser attaquer une petite vieille. Et puis s'il le fait... J'ai pas d'héritage, j'ai vraiment pas d'héritage.
Non mais en vrai, il y a peut-être une strat où tu vas, tu dis écoutez, je suis tombé en panne de calèche, j'en sais rien, enfin j'ai la roue de mon carrosse qui a crevé, enfin je sais pas, tu vois. Moi je veux bien, mais il y a moyen que je revienne pas, quoi. Ça c'est bien. On pensera très fort à toi. Cours. Ça sera vraiment, ça sera une perte terrible pour nous tous, sache-le. Et vous faites quoi pendant ce temps-là? On attend, ben, on regarde. On attend de voir si tu reviens. Ok. Faites-moi un test d'intuition. Donc votre plan aux deux enfants, c'est d'envoyer Mémé toute seule, après avoir croisé un loup-garou. Je me dis, c'est touchant, les petites vieilles, c'est touchant et tout. Donc, en vrai... Bon, ok, d'accord. Si vous voulez, on peut essayer d'abord de s'infiltrer et puis après on va voir. Non, moi je trouve ça pas mal comme idée. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est aller faire un petit peu le tour en restant planqué et un peu faire le tour pour voir un peu ce qui se passe. Parce que là, ouais, c'est une zone, on voit rien. Mais par contre, on envoie déjà la vieille. Et pendant qu'on envoie la vieille, pendant ce temps-là, nous on fait le tour, on regarde un peu ce qui se passe autour. Ok, ouais, opération bouclier humain, quoi. Ok, très bien. Fais-moi un test d'intuition. 39. J'ai réussi, ouais. Okay, t'entends un petit son qui est porté par le vent alors que tu descends. Que tu ouvres la marche, je présume. Donc tu es... Mais j'ouvre même pas la marche, je suis seul tout. Ouais. Je peux même pas de marche. Hein. Tu es seul tout seul en... Oui, mais t'es celle qui est le plus en avant, du coup. Ah, ouais. C'est vrai que t'ouvres aucune marche, c'est vrai que sémantiquement... Sémantiquement, non. Tu ouvres ta propre marche à toi. C'est ça. Moi et mes fantômes, tu vois. Moi et mon mari, tu vois. Donc tu t'avances, plutôt là, et vu que tu t'approches, t'entends un truc, un son qui vient à toi, qui est un peu curieux. Ah, c'est un peu curieux. Bon, bah, je vais... C'est juste quelqu'un qui a mal au ventre, non, ça... Ça vient... J'ai très mal au ventre. J'ai du gaviscon. Une mamie a toujours du gaviscon. Ça vient de là. Ça vient de plus bas. Ok. Je vais me retourner. Et je vais annoncer à mes enfants qu'il y a quand même des hurlements d'humains. Et que je vais pas aller... Justement, va lui demander ce que c'est. Nous, au loin, on lui fait comme ça, on lui fait... Ah si. Hey, t'inquiète. Coulos. Non, mais j'y vais pas. Mais non. Non, courage, fuyons. Allez hop, je reviens vers mes enfants. Je vais avancer, je vais me planquer derrière le buisson là, je vais essayer de voir ce que je vois. Alors, en effet. Je vais voir ce que je vois. Moi, je propose qu'on fasse le tour. Tu réussis à voir ce que tu vois, en effet. Et tu vois qu'il y a autour un décor on ne peut plus inquiétant. Il y a ici des tombes. À l'arrière de cet immense bâtiment, il y a des trous creusés dans le sol, il y a des cercueils qui ressemblent à ceux que tu avais vus sur les côtés. Il y a néanmoins pas mal de fournitures ici et là, et également un son qui vient exactement de là. De où ? Des escaliers là ? Exactement, il y a un accès. D'accord. Vers des souterrains, et le son que vous entendiez vient de là. D'accord. Je suppose qu'on n'a pas de téléphone portable pour appeler les flics, hein. Fais-moi un test d'intuition. Ok. Invente le smartphone. Tu vas réussir, il va te dire, en effet, tu n'as pas de téléphone. Tu vas inventer le smartphone. 95. Ouais, ah non, tu sais plus où tu l'as mis. Hein, ouais, mais malheureusement. c'est toujours pareil en ce moment, tu sais jamais dans quelle poche t'as rangé le truc, je comprends, c'est chiant. Ouais, c'est ça. Dans ce cas-là, je vais avancer discrètement à l'abri des buissons et passer d'une cachette à l'autre en surveillant le mec qui est là, parce que je l'ai vu, pour avancer vers les escaliers qui sont là. Ok, très bien. Donc tu appuies sur rond pour rester à couvert. Tu... Avance, je reste dans les buissons, surtout je reste dans les buissons comme dans tous les jeux vidéo. Ok. Et ça fait super mal parce que c'est des ronces. Tu progresses à pas de loup, si je puis dire. Tu avances. Que font les autres ? Je te demande pas de faire le test. Que font les autres ? Moi, je le suis, je dirais, je me poste à sa cachette d'avant.
C'est-à-dire que chaque fois qu'il avance de buisson en buisson, je vais sur le buisson de précédent. Très bien. Tu te... Alors, juste pour être hyper pragmatique, Olga. Oui. Dès qu'ils savaient pas de quoi il s'agissait, ils t'ont tous dit « Allez, va voir, va voir !» Et là, il y en a plus un qui en a à carré de toi. En fait, t'es à l'arrière. T'es... Tout à fait. Mais elle est revenue, elle sert à rien. Ouais. Elle a flippé. Bah oui, elle a aucune bonne volonté. Ouais. moi, je regarde un tas de neige qui est à côté et je sens qu'il m'observe. Mmh. Donc, toi, tu es... Je vais suivre mes enfants, tu vois. Ah ouais, maintenant tu vas. Et oui, parce qu'il y a des cachettes. Donc vous avancez. Ici. Tout ça, c'est de la faute d'Emile. Et vous entendez. Le cri. Exactement. Et là, moi, je dis discrètement à Emile, parce que je suis quand même un peu vénère, je dis discrètement à Emile. C'est que pendant ce temps-là, Marius, il est en train de diriger le village. Mais non, il est mort, normalement. Marius, non. Non, enfin, je veux dire, non, vous le savez pas, mais non, j'ai... Non, après, vous voulez vraiment qu'on descende dans des escaliers où ça crie ? Bah, moi, y a pas une porte d'entrée à cette maison ? Bah, on pourrait faire le tour avant de... Bah oui. Mais je suppose que c'est un point d'intérêt, pour en parler crûment. Qu'est-ce que vous faites ? J'ai une quête qui me guide à l'intérieur. C'est un checkpoint. Prenez deux secondes, dites-moi ce que vous faites. Bah, on va quand même jeter un œil. De toute façon, même si on voulait aller à l'intérieur de la maison, on est obligé de passer devant. Donc on peut aller. On peut jeter un œil. Il y a quoi là ? Il y a quelqu'un là-bas au bout ? Ouais. Oui. Faites-moi. Espèce de fossoyeur là ? S'il vous plaît, tous les trois, un test d'intellect. Un test d'intellect ? D'abord. Voilà. 57 pour Olga sur 65. 0. 100. Ah non, 100. Merde. Il est con, Emile. Et 77. Oh putain, il est con. Alors quelle idée, de génie. J'ai 70, je suis 77, bordel. Quelle idée de génie t'as eu, Emile. Allez, on t'écoute. Alors, ok, les gars. Là, Emile, il sort en courant, il se vomit dessus. Je vais demander aux deux autres, s'il vous plaît. Vous vous souvenez des loups? Je vais demander aux deux autres de retirer leur casque, s'il vous plaît. À qui? On peut retourner les chercher. Juste avant de retirer votre casque, Bruce, j'ai raté aussi. Hein. Oui, tu as absolument. Bruce et Mathieu, avant de retirer le casque, je vais juste indiquer ceci, c'est que je vais m'entretenir avec Fred. Ce que je vais dire sera peut-être vrai, sera peut-être faux, mais il est possible aussi que ce soit vrai. Donc, d'accord. C'est-à-dire que c'est un échec critique. C'est possible aussi que ce soit faux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sur quoi on va s'entretenir pourrait être un vrai indice. Mm-hmm. Fred. Oui. Donc tu inspectes tout, tu es encore sous tension et sous adrénaline de tout ce qui s'est passé plus tôt dans le village. Oui. Tu remarques que les silhouettes avec les capuches et les capes semblent avoir la même stature que Victor juste après qu'il soit inhumain. Mm-hmm. Ça t'inquiète quelque peu et tu penses, tu es sûr et certain avec une analyse que je vais te laisser improviser auprès des deux autres. Tu es sûr et certain qu'il faut aller en dessous sans se faire remarquer des autres, qu'il faut à tout prix les éviter, éviter leur contact, parce d'accord. qu'ils sont probablement très dangereux et qu'en dessous, vous serez extrêmement safe. D'accord. Écoutez, les gars, mais je le dis sûrement... Oh non. Non, t'es sûr de toi, t'es sûr de toi. Non, bon alors. Allez, ah, moi j'ai l'habitude, hein. Je suis. C'est mon fils, c'est le meilleur. Persuadé. Il tient de son père. Persuadé. Je suis persuadé que nous devons nous jeter à l'intérieur des escaliers où nous y serons dans une sécurité la plus totale. Là où il y a les cris. Oh. Et, allez. Mais t'es complètement con ou quoi? Oui. Est-ce que t'as d'autres questions? Non mais c'est voilà et ça veut devenir mère. Ah oh, il y a des cris, venez on y va. Mon ami il a des arguments et une analyse qui est cohérente hein, par rapport à tout ça. Ah, c'est quoi l'analyse cohérente? Il a un schéma de pensée, il a même des preuves. Écoute, fais-moi confiance, je sais ce que je fais, je suis un futur politicien, je sais exactement ce que je fais, d'accord? Genre nous on est convaincu de son raisonnement. Bah, il est convaincant, ouais. Okay. Non, lui, il est convaincant. Ah, il est convaincant. Vas-y, convainc-moi, là. Je fais un jet de discours. Vas-y. Je les convainc.
Ok. Faire 100 à nouveau, tu sais. 55. Il réussit 55 sur 55, mon gars. Allez. Attends. Hey, moi, je vais faire un test d'intellect. Non. Quoi, non? T'as déjà fait un test tout à l'heure, t'as échoué, qui est un test donc d'intuition. Et donc? Attends, sinon, il a fait 100 à son test d'intuition. J'ai bien compris que tu veux qu'on y aille dans ce truc. Mais c'est. Moi, pourquoi je trouverais ça normal? Il y a manifestement quelqu'un qui est en train d'être torturé là-dedans. Il t'a convaincu, hein? Oui. Il a convaincu ton perso. Justement, il a besoin d'aide. Il a besoin de notre aide, Daria. Tu n'es pas là pour sauver les gens, Daria? Ah, mais donc dans ce cas, on sera pas safe. Écoute, le chemin vers Bruxelles, ça passe par ce tunnel. Là, tu m'as convaincu. Voilà. Là, j'avoue, là. Bah, d'un point de vue RP, on est bloqué, on est obligé de. YOLO! Pardon. Non, c'est un bon argument. C'est un bon argument. D'un point de vue RP, on est bloqué, il nous a convaincu, quoi. Bah. Mais ça se trouve. Si on peut pas tester, si on est convaincu, oui, je suis dit ok. Bah, vous avez fait un certain nombre de tests. Il y a eu quand même 4-5 tests qui sont passés par là. Donc, on va pas faire une idée à l'infini. On va suivre l'idée du teubé de la famille, hein. Allez. Il est mordi. Bah, du coup, tu passes devant, hein, Emile. Évidemment, bien sûr. Vous arrivez, donc. Par ce chemin, par un chemin un peu pas trop tortueux, parce que vous arrivez assez rapidement à déboucher un endroit sous terre. Donc, qui ouvre la marche? Je veux savoir qui ouvre la marche. C'est moi, c'est Emile. J'y vais d'un pas décidé et joyeux. Avec plein d'entrain. Plein d'entrain. D'accord. Étant persuadé à 100% que c'est par là. D'accord. Vous arrivez. Et ensuite, qui sera derrière? La mamie au milieu, protéger la maman, quoi. J'ai tellement décédé à cause de vous. Mais oui, oui. Moi, je ferme pas la marche. Je suis une mamie et tout. Toi, t'as de la force et tout. Donc, vous arrivez en toute confiance. Ouais, tout va bien. Par où? Ah, c'est de l'autre côté. C'est vers le haut ou vers le bas, du c'est coup? Vers le haut. Oui, ça. Ok. Stop. Pas plus. Moi je regarde quand même ce qui se passe derrière au cas Qu'est-ce où. Qu'est-ce que hein, tu fais qui? Alors d'abord, Emile, parce que Emile ouvre la marche. Qu'est-ce que Emile tu fais quand tu vois ce que tu vois? Le truc c'est que je suis tellement con. Non, t'es pas à un moment donné, tes yeux te disent des choses, Fred. Ils te parlent. Ils mettent des idées dans ta tête. Je vois qu'il y a des gens, donc du coup, je suppose que je vais me recacher tout de suite dans le coin pour observer discrètement. Il y a des instruments, il y a du sang, il y a une odeur de putréfaction qui s'élève dans cette caverne. Il y a ça des instruments absolument horribles, mais pas que. Il y a Andra, ici. Fait le tour et qui monte. Et Andra, c'est pas comme ta seconde mère, comme Daria, pas du tout. C'est quelqu'un qui t'a mis au monde, c'est quelqu'un qui était là pour toi, c'est quelqu'un qui. Ma mère à moi? Non, c'est pas ta mère à toi, c'est quelqu'un qui. Non, elle a été la sage-femme pendant l'accouchement. Ouais, ouais, exactement. C'est quelqu'un que t'as connu pendant toute ton enfance. Ouais, c'est une bonne... qui reste vachement longtemps. Habituellement, au bout et surtout, heure, surtout, surtout elle était présumée disparue avec ses enfants. Je l'ai pas encore vue, on est d'accord. Hein. Oui. Okay. Mais je vais dire aux autres, hein, je vais dire, il y a ce personnage important du scénario dont j'ai oublié le prénom. Andra. Donc on peut réagir ou pas? Ouais. Tour de table. Qu'est-ce que vous me faites? Emile en tête. Ah bah moi, immédiatement j'entends qu'il y a Andra, pour moi j'ai envie d'avancer et de dire Andra! Ok. Maintenant, tour de table. Moi, c'est une bonne amie et tout, mais je suis quand même un peu étonné de la retrouver ici après tant d'années de disparition et dans un lieu... C'est genre peut-être un an, tu vois. Ouais, ok, au bout d'un an et dans un lieu surtout aussi macabre. Donc ça a beau être ma pote... Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de son parcours Pôle emploi pour passer de sage-femme à nécro? Donc, tu te poses la question. En attendant, Daria trace. Daria, au moment où tu dis ça, tu visualises tout ce qu'il y a à l'intérieur.
Et elle se retourne, Andra. Donc tu reconnais ses traits de femme sympathique, de aimante, ses traits de mentor. Et tu vois qu'elle a des gants de chirurgien, imbibé de sang, et qu'elle a un scalpel dans les mains. Ouais. Et elle a un sourire gêné. Ouais. Elle le lâche. Je rêve. On se tombe dans les bras là, on est d'accord. Oui. La scène est surréaliste. Andra, je croyais que t'étais mort. La scène est surréaliste. T'as pas donné de nouvelles, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu viens, wesh? Bon, tu sais que normalement ça fait deux ans que je fais ça, il y a des corps coupés en morceaux. Ah, ouais. Oh, ça va. Mais attends, c'est mais quand 4 bises, pardon, ici c'est 3. Mais tu plaisantes, mais tu sais que les cadavres, je les ai même pas vus. Ouais, il y a des chances, il y a des chances. Je les ai même pas vus, les cadavres. Il y a des chances à ce qu'elle soit genre la seule chose qu'elle ait vue, c'est Andra, et qu'elle ne percute pas sur le reste. Et Andra, elle m'a tout appris, c'est une scientifique aussi. C'est une arboriste scientifique. Alors, magnétiseuse. De l'époque où tu l'as connue, elle était pas scientifique aussi, comme cool. Ça, tu vois. C'était pas genre vous réunissiez pour le goûter, pour eh hey, viens, alors aujourd'hui, nous sommes lundi. Lundi, qu'est-ce que c'est, Daria? On retire les ongles. Non, non. C'est pas ce genre de goûter que vous aviez. Et donc, du coup, vous êtes là ensemble avec Daria. Daria, tu ne réalises pas tout de suite. Émile, toi, je vais considérer que l'échec critique, il, c'est bon. Au bout d'un moment, il passe. Et je me retourne et je fais maman, il y a Andra. Qu'est-ce que tu fais, Emile? Tu deviens soudainement le plus intelligent du groupe. Je vais rester derrière ma cachette. je suis bien là. Je vais attendre d'avoir ce qui se passe. Elle commence à avoir les larmes aux yeux, Andra. Et donc, qu'est-ce que tu fais, Olga, toi, de ton côté? Je vais avancer juste au-dessus de Emile et rester à distance en disant Andra, c'est bien toi? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Olga? Oui. Qu'est-ce que vous faites ici? Ils vous ont pas vu? Non, personne nous a vu. Je pensais plus revoir qui que ce soit. Vous êtes seul? Mal? C'est Victor qui nous a dit que t'étais là. Je crois qu'elle a un air un peu coupable quand elle se tourne vers le côté. Elle a une expression coupable. Tu finis par réaliser ce qu'il y a autour de toi, Daria, quand même. Ah! Ciel! Qu'est-ce qui se passe ici? C'est un happening artistique, c'est quoi? Faites-moi tous un test de volonté, quand même, pour... Moi, je veux bien avoir un petit bonus parce que je suis resté caché, hein. Moi, je suis pas là, hein. Je me dis non. Un bonus? Si, un bonus de 10. Ah. Voilà, ça fait 60, ça fait un test de plus que je foire. 60. On va dire que c'est quand même raté. Je les foire tous, moi. Ok, donc la seule... Personne n'a réussi? Si, moi j'ai réussi. Ok, donc vous prenez tous les deux un trauma, vous avez le sang glacé avec tout ça, ça vous sentez pas bien, vous avez un peu de fièvre, vous sentez un peu en danger et vous commencez à avoir l'esprit qui se plie en fait, qui se tord, vous commencez à sombrer dans la folie. Alors il y a un truc qui va être intéressant parce que avec le deuxième trauma, moi je vais me mettre à murmurer, mais mon frangin qui est caché derrière un caillou, lui doit se mettre à gueuler. C'est ça. Je vais pas le faire très très fort. J'ai l'impression qu'il y a un bébé qui dort dans ma tête. Andra, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des cadavres partout autour de toi? C'est quoi comme expérience, ça? C'est quoi, c'est des gens, c'est... Qu'est-ce qui se passe ici? Tour de table, qui fait quoi? Je vais commencer donc par celui qui est plus éloigné, celui qui s'est mis à l'abri, donc Emile. Je reste là aussi. Olga. Je vais lui poser la question de savoir si elle est là par choix ou si elle est obligée d'être ici. D'accord. Daria? Ben moi je réalise un petit peu ce qui se passe autour. Je dis qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il y a des appareils qui manifestement... C'est-à-dire je sais pas trop à quoi ça sert, mais je vois bien que ça sert à faire mal. Et il y a des cadavres un peu partout, quoi. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu entends ça d'ailleurs? Yes! T'entends ça qui vient juste derrière de ce côté-là. D'accord. Oui. Olga,
On m'a obligé de rester ici. Ils ont pris mes enfants. Ils ont pris mes filles, mes petites filles. Ils les ont pris... Ils m'obligent à faire tout ça. Ils m'envoient des fois... C'est... Lady Dimitrescu, la comtesse, dans le château. Parce qu'il y a une... Nous sommes dans une région qui appartient à une comtesse un peu mystérieuse qui s'appelle Lady Dimitrescu et qui surplombe la région, et cette comtesse est entourée de mystères. Il y a plein de légendes, plein de folklore qui tournent autour d'elle, et en tout cas, elle te dit avec non seulement conviction mais avec une profonde tristesse, te dit que Lady Dimitrescu a mes enfants, mes filles et d'autres personnes, et elle m'envoie, elle me force à faire des expériences avec des choses horribles, à transformer les gens. Ouais, je vois qui c'est. J'ai vu des OAV, mais je crois qu'ils étaient pas canons, ceux-là. Il y avait aussi Tracer et Merci d'Overwatch, donc... Alors ça, normalement, tu l'as dit en gueulant. Il y avait Tracer d'Overwatch. J'ai bien essayé de trouver le moyen de sortir d'ici, mais il y a les gardes qui surveillent tout, ici. Les loups ? Oui, des loups ? Les hommes loups. Les licans. Et le loup qui garde les cadavres quand on arrive ici par le chemin, c'est qui eux ? Eux, je ne sais pas, ils sont finis par se réunir ici avec toute l'accumulation des corps dans le chemin, mais c'est pas moi, je voulais pas faire tout ça. Je voulais pas faire tout ça, je suis vraiment désolé. C'est horrible tout ça. J'ai un plan, mais je peux pas sortir d'ici. Il faut libérer mes filles, il faut libérer les autres villageois. Lady Dimitrescu et son engeance, ils kidnappent des gens et ils me forcent à faire des expériences sur eux. Je sors juste la tête et je fais « Mais pourquoi vous pouvez pas sortir d'ici, il n'y a pas de porte ?» Et je reviens. Ah oui, si aussi, il y a Emile. Mais t'es con quoi ? Est-ce qu'ils ont, ils ont ces filles en otage ? Ils sont... Si je sors, ils vont s'en prendre à elles. Ils vont s'en prendre à mes filles et ils vont leur faire du mal. C'est quoi le plan ? C'est qu'on fasse ton plan pour l'arrêter, mais que toi, tu te mouilles pas les mains ? Andra, on est parti, on a vécu des choses ensemble, on a vécu des accouchements ensemble. On pourrait bien venir avec nous. Si je sors, ils vont s'en prendre, ils sauront et ils vont s'en prendre à mes filles. Il se passe quoi ici ? Ils essayent de comprendre comment transformer les hommes pour les rendre meilleurs, plus forts, plus bestiaux. Je sais pas à quelle fin, mais... C'est du Viagra, ça, je connais. Oh, reprends-toi. Calme-toi. C'est pas sérieux. Professionnel un peu, comme il dit, s'il te plaît. Oui, pardon. Navré. Vous êtes chez un professionnel, c'est vrai. Ils transforment des gens avec des produits liés au lore de Resident Evil et rien de plus. Et il m'oblige à faire ça. J'ai un plan. Il faut... Si je veux pouvoir quitter cet endroit, il faut... Elle se retourne vers toi, Olga. Il faut que tu me promettes de libérer mes filles. Libérer les prisonniers. Libérez-les et je pourrais quitter, il n'y aurait plus d'expérience macabre ici. Mais pourquoi tu demandes ça à Olga, elle a 3000 ans, je veux dire. Et moi je suis en train de me bloquer sur un cadavre qui est en train de me regarder. Accepte la quête. Appuie sur X pour accepter la quête. Et comment on va faire pour libérer tous ces otages et tes filles alors qu'il y a l'air d'avoir plein de gardes et des licans? Une fois on est même pas armé. Bonne question. On est même pas armé, on est à Walp quoi. J'ai vous n'allez pas apprécier. Elle se retourne. J'ai un Panzerfaust. Elle se retourne. Elle se dirige vers. Elle a des mécas. Elle se dirige vers ce qui semble être une rivière souterraine qui est barrée par une barrière. Habile. Et donc elle avance et elle. Plonge sa main sur le rebord, elle plonge la main dans l'eau
dans la terre. Et elle semble tirer un petit cordage. Et en plus du cordage, il y a au bout une sorte de sacoche. Elle tire ça. J'ai caché ça. Les gens qui m'ont envoyé, ils avaient parfois des colliers et autre chose. Il y a à la croisée des étrangers, pas loin d'ici, sur le chemin qui mène au château de Lady Dimitrescu, il y a quelqu'un qui peut vous donner du matériel et vous donner le chemin, vous aider pour aller sous le château pour libérer les villageois. Vous allez pouvoir sauver la région. Vous allez pouvoir faire arrêter tout ça. Il se fait appeler le duc à la croisée des étrangers. Et elle ouvre un sac avec de l'or à l'intérieur. Oh, faut qu'on trouve Booba. Elle ouvre un sac et tu vois, du coup, Emile, t'es à côté. Tu vois qu'à l'intérieur, il y a en effet des colliers, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a des dents en or. Il y a des bagues. Il y a tout ce qui est précieux, en fait, qu'elle a pu récupérer sur des corps. C'est du loot. Se passe à quelle époque, ce jeu? Plus ou moins moderne. À notre époque. D'accord. C'est ça, non. Quoi? Est-ce que... Je me dis juste, c'est... T'as une bien piètre image de la Roumanie, hein, si tu crois qu'on paye en pièces d'or. Et dedans, il y a une carte tu Visa. Tu payes en dents en or. Et il y a une carte Visa au milieu, bien sûr. Ah, d'accord. Ouais. Et pourquoi elle nous donne, pourquoi avec elle nous un donne système Moneo. Elle nous paye, en fait, pour qu'on fasse cette mission suicide. Donnez-le au duc. Il vous aidera pour aller pour accéder au souterrain du château. Et comme ça, une fois que vous aurez libéré mes filles, je serai plus obligé de rester ici. On sera plus obligé de faire ces expériences. Et on pourra quitter ce village, on pourra quitter cette région. On pourra sauver les gens que Lady Dimitrescu garde sous son château. Mais attends, si jamais tu viens avec nous, les gens, enfin je veux dire, ils vont... est-ce qu'il y a des gardes qui passent pour contrôler que t'es là régulièrement? Oui. Ouais, ça t'arrange bien. Oui. ça arrange bien le MJ, ouais. D'autres questions? Et il n'y a pas de fenêtre là non plus. Mais moi j'ai une question quand même pour Andra. Je veux juste savoir quand même, parce que là je commence un petit peu à prendre la mesure de ce qui se passe autour là. Ouais. Et je dis Andra, t'as blessé combien, t'as blessé ou tué ou causé du tort à combien de personnes depuis que t'es là? Je n'ai plus le compte. Il y a et, les deux, en tôle. Et les gens là qui sont dans la cellule en haut là, il leur arrive quoi? Ceux qui gueulent pour entendre gueuler tout à l'heure. C'est des... Tu les reconnais pas spécialement, mais tu vois leur look et qui en revanche, ce sont des gens qui viennent de la région. On me les a envoyés. Est-ce qu'on les libérerait pas déjà? Grâce à leur look, on reconnaît qu'ils viennent de la région. Ils ont quoi de spéciaux, tu vois? Il y en a un, il est en short et torse nu. Ils ont des vêtements un peu rapiécés. Est-ce que je me permets de faire une observation, mais... On pinaille là? On est en train de pinailler? L'observation que je fais, c'est que donc on doit aller libérer ses filles pour la libérer à elle. Très bien. Mais en quoi sa vie vaut mieux que la vie des gens qui sont enfermés dans cette cellule? C'est ça la question en que fait, je pose. Si jamais on prenait juste un scalpel et qu'on lui plantait entre les deux yeux, est-ce que finalement on sauverait pas plus de vie? Accepte sans doute. Accepte la quête. Parce qu'elle a déjà tué, manifestement, elle a déjà causé la mort de plusieurs dizaines de personnes. C'est pas très moral cette quête. Moi je pense qu'on devrait refuser et retourner au village. Tu peux le faire. On devrait aller dans un endroit où le OMJ n'a pas prévu de carte, moi je pense d'ailleurs. Non mais tu peux. Ouais, Bruxelles. Car j'ai une carte. Mais quand même dans le doute, je vais quand même accepter la quête. Dans une baraque à frites. En revanche, pour reboucler avec ce que tu disais, si t'as envie de la planter, tu peux le faire. Ce qui ne règle pas le problème de toutes les personnes qui sont tenues captives. Okay. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut passer un deal quand même? C'est de quoi tu as besoin pour faire tes expériences là? Tu les tortures sur quelque chose? Tu fais quoi? Tu fais comment? Tu te débrouilles comment? On m'apporte des produits dans des seringues qu'il faut que j'injecte dans les prisonniers qu'on me fait transférer. D'accord, et du coup tu dois les attacher sur ces engins. Ils sont généralement drogués comme ceux qui sont là-dedans. Mais pourquoi il y a besoin de toi pour faire ça? N'importe qui peut faire ça. On me demande de faire des rapports sur l'évolution, de faire des analyses. Et c'est pour ça, comme je suis quelqu'un d'extrêmement
intelligent et que je suis la seule personne capable de ce scénario pour pouvoir faire avoir une analyse extrêmement pointue. Imaginons parce que je suis aussi dans ma jeunesse, avant que tu viennes au monde, Emile, j'étais mécanicienne. Et du coup, si ils détruisent, vous pouvez, et je vous suggère de le faire, si vous dévissez le siège, je pourrais en reconstruire un autre, et j'ai des plans qui sont cachés quelque part, et si je meurs, quelqu'un d'autre prendra la relève, mes filles souffriront, et ensuite, Marius deviendra maire, et juste après ça, tu seras humilié, et t'auras plus de maison parce qu'elle brûlera. Parce que si je te pète un bras, tu peux plus écrire ton rapport, mais en même temps, tu restes en vie. Oui, mais j'ai un autre bras. Tu t'y attendais pas. Je vois, ambidextre. Putain. Elle est forte. Elle est vraiment forte. Il aurait pas dû faire un jet de pinailleur là ou pour non. Ça. Par contre, Maillard, juste pendant toute cette discussion là, ce que j'aimerais faire moi le plus discrètement possible, c'est récupérer le scalpel qu'elle avait dans les mains et qu'elle a lâché quand elle m'a vu. Ouais. Donc il est au sol, je voudrais le récupérer pour le looter. Ouais, pas de problème. J'ai pas besoin de test ni rien. Non, c'est bon. Okay. Non, parce qu'elle était. Ouais. Parce que comme elle était très convaincante dans son argumentaire, du coup. Oui, bien sûr. je vais regarder. Écoute, Daria, moi et ma suspension consentie d'incrédulité, nous te faisons confiance. Andra, Daria, c'est moi. Je vais regarder dans la prison. Du coup, je vois qui? Tu vois des individus qui sont. Ils ont le regard perdu. Ils sont apparemment soumis à des drogues ou quoi, et ils te regardent avec un. Et t'en as un qui se met à hurler soudainement, de manière totalement irrationnelle. Ok, bah je lui réponds, baisse les yeux, arrête de me regarder. Tu vois. C'est quand même un trauma, tu vois. J'en peux plus de ce groupe. Pour te sauver. Oh là, arrête de me regarder. Si jamais on laisse sortir les gens. Et tu dis qu'ils se sont évadés. Oui. C'est pas ta faute. Je suis d'accord avec ça. Ce sera d'innocentes victimes que tu auras sur la conscience en tant que future mère. Mais pourquoi? Parce que c'est toi qui les auras libérés. Pourquoi s'ils sont libres, ils sont victimes? Parce que c'était ton idée. Essaye de voir le bon côté, Emile. Récupérer. Mais s'ils restent là, ils vont mourir. Si on les sortir, ils ont une chance de se barrer. Écoutez, Emile, je pose les mains sur ta épaule. Emile. Prenez un chemin de Emile, sache que si tu acceptes la quête, que tu sauves tous les villageois, tu deviendras le maire. Ils vont voter pour toi, tu les as sauvés c'est d'une ça. Mort certaine. Bah c'est ça. Tu seras le préfet de la région. On va asseoir notre pouvoir comme ça. Je vais leur demander. Vous voteriez pour moi? Est-ce que vous êtes d'accord pour mourir pour le scénario? Répondez oui et je m'en vais. Oui. Ok. Emile. Fais le choix judicieux. Il faut faire le choix. Bon, moi plus. Une fille vive. Moi, pendant ce temps-là, je vais looter les placards en fait. Ouais, il y a peut-être du loot à choper. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, vas-y, on accepte la quête. On va faire comme si on n'avait pas vu les gens qui se font torturer. Je loot les placards, moi. Ok, il y a des équipements secondaires, tu peux avoir éventuellement... Des trucs qui peuvent servir d'armes, moi c'est ça qui m'intéresse. C'est ça, tu as des ciseaux pointus, mais c'est pas pratique à utiliser, c'est plus quelque chose de caché, tu vois, sur toi. Ouais, mais qui peut aider, quoi, ok. Ouais, ça peut dépanner, ouais. Absolument. Ok, bah, et si on prenait tous une petite arme de poing qu'on cache dans une poche? Ah non, j'ai tout pris, moi. Ah ok. Vas-y. Le type, il va faire une brocante, hein, ça va ou quoi, hein? Non, ça, vous vous démerdez, hein. Donc, vous prenez tout ça. Ça va bien, maintenant. Andra se retourne vers toi, Emile. Elle est vraiment contente de pouvoir compter sur toi. Bien sûr. Et de voir que tu es... Tu es convaincu. J'ai l'impression qu'elle est convaincue. Et surtout, tu es pertinent dans ton analyse de la situation. Bien sûr. Et ça, ça fait plaisir. Je vais essayer de ne pas penser à toutes les failles de ton raisonnement. Et on va t'aider. Non, mais écoute, on peut très bien en discuter et tu sauras que mes failles ne sont que les tiennes et que le reflet de ton analyse perdue dans la vacuité de bien sûr. Allez, let's go. Ce que je suis en train de dire. J'appuie sur X pour passer à la cinématique et puis on... Et vous partez en direction de la croisée des étrangers. Bonne journée, je dis bonne journée aux gens dans la cage. Et ils ont un air hagard, donc ils vont pas pouvoir te répondre de manière
aussi pertinente et intelligente répond même pas. Que ton air acéré de détective. quand ça m'arrange. Qui ouvre la marche. Bah, toi de passer devant, Daria, un peu. Hein. Bah, moi, je suis en train de me demander, maintenant que je sais qu'Andra va bien, est-ce que je n'ai pas Bruxelles. Non, il y a ses filles, mec. Ouais, si t'as de l'intérêt pour elles, t'as de l'intérêt. Moi, je m'en fous de ses filles. Moi, c'est juste parce qu'elle est obligée de bosser pour un truc qui ne l'intéresse pas. Par contre, moi les... Écoute, Daria, il faut absolument qu'on aille sauver cette femme qui torture des gens. Enfin, on peut pas la laisser dans cette situation. C'est pas elle, qui a causé des centaines de morts. Ouais, c'est enfin, pas en vérité, pour rebondir là-dessus, c'est pas juste elle, en fait. C'est vraiment... et surtout, ses filles et d'autres villageois. Parce que elle, oui, là-dessus, si t'avais envie, alors là, j'aimerais être très clair, si t'avais envie de la planter ou si t'avais envie de la jeter en cachot, vous pourriez. Après, je l'ai pas mal pris, Fred, vraiment. Moi, j'aurais pas laissé faire. Non, vraiment, je l'ai pas mal pris. Non. Les enfants. C'est juste, j'adore secouer ton scénario et entendre la petite bille qui grelotte et qui fait. C'est comme quand tu. Mon scénar. Quand t'as une manette et que tu l'as jetée une fois au sol et qu'après, à chaque fois que tu joues avec, il y a un truc. un bout de plastique qui s'est pété un dedans. Bout de plastique, ouais. C'est un peu toi. C'est un peu ton scénar. Scénario, c'est-à-dire. Après les enfants, moi ce que je vous, susurre à l'oreille, c'est que quand on rencontrera le fameux duc qu'on doit payer grassement pour pouvoir passer par les canalisations, moi je propose que d'abord, grâce à mon charisme légendaire, j'essaye qu'il nous ouvre le passage gratuitement, histoire. Ça va nous coûter deux fois plus cher au final. Non, on va garder l'or. En vrai, on va garder l'or. Pour asseoir notre pouvoir, il nous faut des fonds, il nous faut des gens et il nous faut des fonds. Franchement, on devrait envoyer Olga draguer. Je pense. Ouais. Draguer le duc. Et salut mon mignon. Tu soulèves une jupe là, tellement un morceau de peau de jartel. Un morceau de peau, tu voulais dire. Avec la peau qui retombe par-dessus le peau de jartel. Trauma, prenez tous un trauma. Trauma. Sauf moi. Mais non, on est déjà à deux traumas. Bah, tu as un membre qui se brise. Tu as la jambe qui se tend dans l'autre sens. Non, le bras s'il te plaît, au moins le bras. Vous. Donc, arrivez tranquillement à la croisée des étrangers. Avec les seins qui tombent jusqu'au nombril. Là. Oh il abandonne jamais. Est-ce que vous avez essayé de débrancher et rebrancher Frédéric Molas? Et vous arrivez. Je ne suis pas là, moi. J'ai pas entendu. Il s'est passé quelque chose? Non, mais il y a un marché. C'est à croiser, c'est absolument. C'est le duc, c'est quelqu'un dont la réputation s'est installée dans la région. Mais comment ils font pour venir ici? Il y a des loups partout. Ah, il y a des loups là-bas. Il y a des loups dans les endroits reculés. Mais il y a des chemins officiels. Ah, donc là, c'est à croiser des étrangers. Le duc, c'est quelqu'un qui a la réputation de tout posséder, tout avoir, tout obtenir. Vous savez, d'après les rumeurs, qu'il est souvent décrit comme étant. Vous avez entendu des rapages ou pas? Non. Si. Si. Voilà. Bah, c'est le duc en ce moment. Il est en train de drifter. Il fait des donuts là. Parce qu'il est aussi. Oh putain! Bah, c'est un célèbre. C'est un fan de Fast and Furious. Le duc qui est poursuivi par les flics. On s'y croirait. Donc. Putain, il y a un rond-point. Hein. Exactement. Et donc, du coup, il est la réputation que vous en avez et aussi sa description, c'est quelqu'un d'assez, quelqu'un de très très fort. Genre gros moche quoi. Non, c'est le Kingpin de Marvel. Ouais. Je vais aller voir un mec et je vais lui dire excusez-moi, vous êtes gros et moche. Est-ce que vous êtes le duc? C'est pas Daria qui ouvrait la marche. On m'a dit de chercher un type particulièrement gros et repoussant. Vous entendez donc pas mal de personnes à côté en train de porter des affaires ici et là, de la nourriture. Et vous entendez quelqu'un rire. Avec un rire gras. Exactement, celui-là. Avec un rire gras, ici. Vous avez dans cette croisée de. C'est sans doute le duc. Chemins, vous avez. Quoi donc? Vous avez. Une sorte d'obscurité qui joue avec la lumière. Vous avez des gens qui sont préoccupés par leurs affaires personnelles. Il y a quelqu'un qui apporte de la nourriture auprès du duc. Il y a tout. Ça, c'est ça. Il y a toute une rangée d'individus qui apportent de la nourriture
à ce duc. Vous voyez quelqu'un d'obèse, dans une obésité morbide. Il doit mesurer peut-être dans les 2m30, 2m20. Il doit peser... Bien, on n'est pas dans la démesure du tout, déjà. Ah non, mais vraiment, il est très grand et il se tient dans le carrosse, ici. Il se tient à l'intérieur, ici. Et vous voyez des gens qui sont en train d'apporter de la nourriture et il tend les mains et il récupère quelque chose, au hasard. Et il le met à la bouche et il y a quelqu'un d'autre. Voyage de Chihiro, quoi. Il y a quelqu'un. Non, moi, non, plutôt, non, non. Je t'engage. Je t'engage. Et il y a à côté quelqu'un qui joue de la musique. Tranquillement. C'est un coin de voyageurs. Les gens voyagent, les gens se retrouvent ici. Les gens viennent de différentes contrées. Vous avez différents voyageurs. Très bien. Noble Jabba, nous voulons vous parler. Non, ils font la queue les gens ou juste ils sont devant? Alors, ils font la queue apporter de la nourriture. D'accord. Au duc. Ah ben on fait comme on a dit, allez Olga. Ouais. Duc, sortez de votre trou. Bon, allez, on est sérieux maintenant. Du coup, est-ce que je peux essayer de prendre la parole et... D'accord. C'est pas drôle, arrêtez. Pour le voyage en question, parce que vous avez parcouru un peu de chemin des ruines jusqu'ici, vous avez récupéré un trauma. Je vous laisse choisir. Bah moi, c'est j'enlève Murmure et du coup, c'est toujours la faute d'Emile. Je vais enlever par le fort parce que ça m'arrange. Mais c'est toujours la faute derrière. Moi, j'en ai plus, je crois. Oui, t'en as plus. Écoute. Donc, Olga. Oui. Donc, il se tourne nonchalamment vers toi. Mm-hmm. Qu'est-ce donc que ça? C'est ma mère, calmez-vous. Le souris des sables. Attends, bonjour, noble duc. Nous avons été informés que vous connaissiez un chemin secret pour aller au château de Lady, je n'ai plus son nom. Dimitrescu. De la Lady, est-ce que nous pourrions éventuellement obtenir cette information? Nous venons du village du bas et nous souhaitons nous rendre chez elle. En tout cas, très joli carrosse. Hein. J'apprécie particulièrement les hommes de bon goût avec qui écoutent de la si belle musique et qui aiment la bonne nourriture. Et quelle taille, quelle prestance, le duc! Si j'avais eu 40 ans, quoique 50 ans, ouais, quoique 60 ans, quel humour vous avez. Fais le truc avec les comme ça, avec les. Mais sauf que toi, tu les prends et tu fais ça. Non, j'en peux plus de toi, Fred. Je jure, j'en peux plus de toi. J'en peux plus. Tu peux jamais. Et on fait tourner les. Avec la voix d'Harrison Ford, sa place est dans un musée. Globalement, j'essaie de le séduire. Eh ben, 100 000, du coup, ça marche. Ouais. Du coup... Donc, tu dis tout ça, il racle sa gorge. Écoutez, apparemment, vous essayez... Qu'est-ce qui se passe dans le château en ce moment? Vous êtes tous à vouloir vous y rendre. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Là, je lui parle au duc et je lui dis, nous ne sommes pas la première personne à vouloir accéder au château. Je croyais que peu de gens y allaient, mais vous m'informez que beaucoup de gens y vont en ce moment? Oui, d'autres personnes me demandent des choses par rapport à ce château. Il s'y passe des choses dans cette région, apparemment. Vous avez tous des bizarreries. Attendez, c'est vous? Vous êtes la famille Pop, c'est ça? Vous êtes Olga? Oui. Vous êtes Olga. Ce sont vos enfants, là. Mais Daria? Oui. Emile. Oui, Emilovitch. Alors, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Et comment vous nous connaissez? Je sais tout dans la région. Ok. Je sais tout. Non mais j'ai le doigt derrière le dos. Combien vous proposez, vous m'avez dit? Qu'est-ce que vous avez?
Oh, je pensais qu'on pourrait avoir cette information gratuitement, étant donné qu'on est en charge du village en bas de la vallée. Voyez-vous, c'est mon fils, Émile, le maire, et moi, je chaperonne un petit peu tout le village. Nous avons du pouvoir. Est-ce que le plus intéressant, c'est d'avoir du pouvoir? Il n'y a jamais bonnes connexions dans la région, ou de l'argent? Ce n'est pas... Marius? Marius. Il a dit Marius. Mais Marius, c'est un moins que rien. C'est, vous voyez comment il est bâti, mon fils? Regardez mon fils. Il est magnifique, mon fils. Marius, il marche pas droit, il est tout con. Qu'est-ce qu'il a dit? Marius, c'est qui? Il a dit que c'était le chef. Il a craqué, non, quoi. Non, Marius, il est mort. Non. Oui, il est sûrement en train de pendre une corde. Non, Marius, il est mort. On a de l'or. Et non. Oh, alors oui, ça m'intéresse. On en a pas beaucoup, juste... Un sac, plein. Dites-moi ce qui vous ferait plaisir.